Allez, c'est bon, ça suffit. Tire dedans. Je peux, vous êtes sûr? C'est bientôt les qualifications. Si tu veux faire gagner ton équipe, il va falloir que tu saches utiliser ta jambe. Ma jambe? Mais je ne... Vise le centre de cette cible. D'accord. N'arrête pas, continue. D'accord. Entre Mark et Archer. Attaquez, je suis prêt. Axel, pars en pointe, je te l'envoie. Bien joué, Nathan. Axel, je suis là. Joli tir, Austin, j'ai rien pu faire. T'en dis quoi, Axel? C'était bien? C'était même très bien. Oui, Austin est devenu beaucoup plus positif sur le terrain. Maintiens. Austin est en pleine forme, ça fait plaisir à voir. C'est vrai, on dirait un tigre endormi qui ouvre enfin les yeux. Et lui, je me demande s'il ouvrira les yeux un jour. Ok, je recommence. Essaie de me la renvoyer moins haut. On s'excuse. Ça va, nos problèmes, t'en fais pas pour moi. Encore raté. Il est toujours aussi maladroit. Oui. C'est terrible, il joue comme un débutant. Allez, on y retourne. Archer, je vais courir un peu et je reviens. D'accord. Tiens, pars encore tout seul. Rassemblez-vous. La séance d'entraînement est terminée pour aujourd'hui. Hein? On arrête déjà? Ça ne te convient pas, tu veux désobéir peut-être? Non, pardon. Le prochain match est pour bientôt. Je ne veux pas que vous soyez fatigués sur le terrain. Faites vos étirements avec soin, ça aidera votre corps à récupérer. Oui! Oui. Merci. Tu t'en vas déjà? T'as fait tes étirements? Dis, essaie de t'entraîner avec nous, d'accord? Merci de te soucier de moi. Mais faut que tu comprennes que je préfère m'entraîner tout seul, c'est mieux pour moi. Je comprends bien, mais... Comment tu te la joues? Caleb, t'oublies un truc, à la base, t'es même pas capable de réussir une simple passe. Tu nous sers à rien, même si tu vas sur le terrain, c'est comme si on jouait à 10. Arrête ça tout de suite, Caleb. Tu sais bien qu'il fait de son mieux, il a quand même réussi à passer la sélection et le match contre le Qatar. Moi, tout ce que je sais, c'est que si ça continue, on va perdre à cause de lui. Ah, qu'est-ce que t'as à me regarder comme ça? Calmez-vous tous les deux, c'est pas le moment. Essaie juste de pas traîner dans mes pattes et tout devrait bien se passer, compris l'amateur? Bon, je vais me changer, à tout à l'heure. C'est quoi son problème? Axel, c'est pour toi! Oui. Axel. À l'endroit habituel. C'est bon pour moi, ça. D'accord. Tire comme si tu donnais un coup de pied pour te défendre. D'accord.
c'est pas vrai, j'arrive à rien. Qu'est-ce qui t'arrive? Tu n'as plus de force aujourd'hui? J'ai jamais été aussi frustré. J'ose plus aller sur le terrain. J'ai honte d'être nul à ce point. Sois patient, tu vas finir par y arriver. Monsieur Hillman, pourquoi est-ce que vous perdez votre temps à entraîner quelqu'un comme moi? Eh bien, si tu veux vraiment savoir, peut-être parce que tu me ressembles. Je vous ressemble? Mais voyons, nous n'avons rien en commun. Détrompe-toi. Ton règne s'achève aujourd'hui, Archer. Arrête de parler, montre-moi de quoi t'es capable. À vous, les gars. Ouais. On m'avait pas menti, t'as un coup de pied impressionnant. T'as encore rien vu? Voilà. C'est à moi que revient l'honneur de te porter le coup de grâce. Moi aussi, j'ai eu une période agitée quand j'étais plus jeune. Si je suis devenu ce que je suis aujourd'hui, c'est grâce à quelqu'un qui s'est mis en tête de m'apprendre le foot alors même que je n'avais jamais vu un ballon de ma vie. Quel rapport avec moi? Cette personne m'a fait entièrement confiance et à présent je lui dois tout. Alors en t'accordant la même attention, c'est une manière pour moi de payer ma dette envers cet homme. Voilà, c'est tout ce que je peux te dire. Monsieur Hillman. Archer, ça te dirait de t'entraîner à faire des passes avec moi? D'accord. Bouge plus, c'est parfait. Moi, je me mets là, essaie de viser mon torse. Je vais faire ce que je peux. C'est bizarre, cette façon de passer. Écoute, fais comme si tu voulais me tirer dessus avec le ballon, ça marchera peut-être. Bah tu vois, quand tu veux, ça se rapproche. Mais c'est toujours un peu bizarre. Qu'est-ce qu'il y a, Archer? Désolé, capitaine, je me suis pas assez échauffé, je vais courir un peu. Hé! Attends, reviens! Archer! Désolé, capitaine, mais je préfère ne pas en parler. Ce sont de vieilles affaires qui refont surface. Oh. Archer. Je ne te comprends pas. C'est bien. Tu commences à t'améliorer, à ce que je vois. Ah oui? Vous le pensez vraiment? Oui, je crois que tu as compris le truc. Ah bon? Au fait, monsieur Hillman, à propos du capitaine... Mark, qu'est-ce que tu lui veux? Non, rien. Oubliez ce que j'ai dit. Bah ça alors? Restaurant de nouilles. Pourquoi c'est fermé? Il est toujours ouvert à cette heure-ci. Mark? Oh, oh. Qu'est-ce qui t'arrive? En fait, Dites, monsieur Hillman, c'est vous qui avez sélectionné Archer pour jouer dans l'équipe? En effet, c'est moi. J'ai un problème, j'aimerais vraiment bien m'entendre avec lui, mais... Comment dire? Ça se passe pas du tout comme je l'espérais entre nous. Il n'arrive pas à s'intégrer à l'équipe. Qu'est-ce que je dois faire selon vous? Hein? Monsieur Hillman! Je sais bien que tu le connais à peine, mais vous êtes lié par quelque chose à présent, le football. Oh. Oh.
Vous aurez le temps d'apprendre à vous connaître sur le terrain. Pas besoin de se précipiter. D'accord, j'ai compris. Merci pour vos précieux conseils. Bon, ça te dit un bon bol de nouilles? Ouais! Ah, mais non, les autres m'attendent. Ce sera pour la prochaine fois. Ah, d'accord. Merci, et à bientôt. C'est pas encore assez. Après les qualifications océano-asiatiques, c'est le monde entier qui nous attend. T'as raison, garde la pêche. Oh. Arthur. Je me demande s'il est heureux de jouer au foot. Eh oh, Marc. Oh. Téléphone pour toi, c'est Monsieur Hillman. Monsieur Hillman? Mais qu'est-ce qu'il veut? Allô? Marc, j'ai un service à te demander. Un service? Oui. Vois-tu, j'ai une affaire urgente à régler et je voudrais que tu ailles faire quelque chose à ma place. D'accord, si vous voulez. Rends-toi au terrain vague qui se trouve à côté de mon restaurant. Tu comprendras ce que tu dois faire quand tu arriveras là-bas. Je compte sur toi. Monsieur Hillman? Monsieur Hillman? Ici. Oh. Arthur? Hein? Ah bah ça pour une surprise. Qu'est-ce que tu fais ici? Je te retourne la question. C'est Monsieur Hillman qui m'a demandé de venir ici. Il avait une affaire urgente et il voulait que je fasse quelque chose à sa place. Il m'a dit que je comprendrais quand j'arriverais. Mais je ne m'attendais pas à te croiser. Oh. Eh, mais... C'est... J'ai pigé, tu viens ici pour t'entraîner avec Monsieur Hillman, pas vrai? Dans ce cas, je comprends mieux ce que Monsieur Hillman veut que je fasse. Si j'ai bien compris, Hillman ne viendra pas, c'est ça? Je m'entraîne qu'avec lui, alors j'ai aucune raison de rester ici. Oh. Hé hey, Arthur, attends un peu, bon sang! Tu perds ton temps, Marc, n'essaye pas de me retenir. C'est quoi son problème? Est-ce que j'ai le droit de le laisser comme ça? Je sais bien que tu le connais à peine, mais vous êtes liés par quelque chose à présent, le football. Vous aurez le temps d'apprendre à vous connaître sur le terrain. Pas besoin de se précipiter. Allez! C'est pas vrai. C'est un simple ballon. Pourquoi j'arrive pas à lui faire faire ce que je veux? Oublie-moi, s'il te plaît. Non, c'est hors de question. Arthur, j'ai une question à te poser. Est-ce que tu es content de jouer au foot avec nous? Tu ne sais pas encore ce qu'est vraiment le football. C'est quelque chose d'amusant avant tout. On le fait par plaisir, parce qu'on aime ça. Essaie de jouer avec le ballon sans penser à rien. Et tu comprendras. Je voudrais que tu te lâches un peu et qu'on joue au foot ensemble, juste pour s'amuser. Tu as déjà pensé à utiliser ce coup de pied pour d'autres choses que la bagarre? Ça te dit de faire du foot? En plus, on s'amuse bien, tu vas voir. Alors, tu veux bien jouer au foot avec moi, Arthur? Bon, allez. T'as compris le principe? Attention, c'est parti! J'ai...
juste un truc, pourquoi tu cries comme ça? Parce que ça me donne la pêche. Je t'ai dit qu'il fallait que tu te lâches. Encore? Alors que j'ai complètement loupé? Allez, c'est pas fini, continue à tirer. C'est bien, Archer. Je crois que tu commences à prendre le truc. C'est de mieux en mieux. Peut-être que tu en es capable déjà. Capitaine, où tu vas? Ok, t'es prêt? Essaye de marquer un but. Je bougerai pas d'ici tant que t'auras pas cadré un tir. Mais enfin, c'est peine perdue. Mais si, allez, tu peux y arriver. Je t'attends. Qu'est-ce qu'ils fabriquent, ces deux-là? Baisse pas les bras! Allez, encore une fois! Mais qu'est-ce qui se passe? Y a un problème? Ça suffit. J'y arriverai jamais. Puisque je te dis que tu peux y arriver, c'est pour ça que tu t'entraînes, pas vrai? Il suffit que t'aies un peu plus confiance en toi, y a aucune raison que t'y arrives pas. Tire comme si tu donnais un coup de pied pour te défendre. Celui-là, il va au fond. Vas-y. Réussi. Bravo Archer, t'as cadré! J'ai réussi? Oh. Super! Et maintenant qu'il est encore en dette, c'est le moment idéal pour recommencer. Vas-y! Ça va crever tout ça. Je commence à avoir une petite faim, pas toi? Si. Bon, on rentre. Je vais rester encore un peu ici. Ah bon? Bah plus alors. Capitaine, j'ai une dernière faveur à te demander. Ne parle pas de ces entraînements au reste de l'équipe, c'est d'accord? Oui, d'accord. Continue à travailler dur, hein. Et tu vois que ça peut être amusant, le foot. Alors c'est ça, le vrai football? Ça me plaît. Merci, Marc.